que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire une vidéo haul. Ça fait super longtemps que je vous ai fait une vidéo haul. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps. Je vous ferai bientôt une vidéo haul beauté aussi. Vous verrez tout ça. Donc là, vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul Primark. Puisqu'il y a enfin un Primark auprès de chez moi, entre guillemets, c'est quand même 1h30. Au Havre, au Dock. Donc il est très très bien, il est très grand, il vaut pas celui de Lille que j'ai vu. Mais il est aussi très très bien, il y a un petit peu de tout. J'ai acheté principalement, pour moi d'ailleurs, hein, voilà. J'ai acheté juste 2-3 trucs pour mon père, j'ai acheté des t-shirts qui étaient à 2,50€, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup. Pour ma mère, j'ai acheté des collants et des petits trucs de déco, il y a le côté home qui est aussi très très bien. Je trouve qu'il y a un petit peu de tout, il y a certains des endroits qui sont un peu petits, genre le côté home, le côté enfant, enfin c'est un petit peu petit. J'ai acheté aussi pour les bébés, enfin bref, pas pour moi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc ça se présente là-dedans. J'y suis allée en 2 fois. Une fois il y a 3 semaines, donc j'ai re-ramené des trucs et j'ai repris d'autres choses. Et j'y suis allée une fois hier avec Béré. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Let's go. C'est parti, je ne sais pas dans quel ordre on va faire ça, mais faisons ça comme ça. Bref, donc faut savoir que chez Primark, les sous-vêtements ça vaut énormément le coup. Je vais pas vous en montrer parce que je vois pas l'intérêt, voilà, c'est des sous-vêtements. Mais au niveau du prix ça vaut le coup, j'en ai déjà porté, écoutez, c'est pas la qualité de fou, mais ça tient très très bien et pour le prix ça vaut vraiment vraiment le coup. Mais j'ai aussi craqué sur un petit haut de maillot de bain puisque il y a vraiment... En fait j'y suis allée il y a 3 semaines et j'y suis retournée là hier et ça avait déjà changé, il y avait déjà des nouvelles coupes. Donc ça tourne énormément, c'est trop trop bien, limite je pense que tu peux y aller toutes les semaines, ça doit changer. Bref, j'ai pris ce petit haut de maillot de bain qui est très flashy, qui sera très bien pour l'été, en triangle assez sympa, assez simple, et il était à 5€. Il y avait aussi le bas, mais les bas étaient pas tout bien taillés je trouve. Donc voilà, j'ai pas testé parce qu'il y avait beaucoup de monde au caisse, enfin pas au caisse mais aux cabines d'essayage, donc j'ai rien testé, je me suis dit voilà, je testerai, au pire j'aurai l'occasion d'y retourner dans le mois. Donc voilà, très très joli, j'ai beaucoup aimé. Chez Primark aussi, le truc qui vaut le coup, c'est les lots comme ça de chaussettes. J'ai pris des petites soquettes comme ceci à 3,50€ les 7 paires, c'est pour travailler, c'est juste top. Et voilà, elles sont de très bonne qualité. Et ce que j'adore aussi chez eux, c'est ces petites soquettes là. Donc je prends pas les plus fines qui sont moins chères parce qu'elles s'abîment vraiment trop vite. Mais celles-ci, c'est normalement pour faire du sport, elles sont très costauds, elles ont lavé des dizaines de fois depuis Lille, je les porte encore. Et du coup c'était des lots de 5 paires et c'est à 4,50€. En plus il y a plein de couleurs, enfin il n'y a pas toutes les couleurs là du coup parce que j'ai déjà utilisé. Mais il y a plein de couleurs et ça vaut trop le coup. Donc voilà, foncez pour mettre dans les Stasmith, c'est super tard, etc. C'est trop bien et c'est super confortable. Dans le côté home, j'ai craqué pour ça. Je sais, je suis une gamine, mais quand je l'ai vu, je le voulais trop. En plus, il est bien plat, donc en fait, c'est juste pour mettre en déco. Il est très très joli, il est rose comme j'aime, c'est Hello Kitty, c'est mon petit cœur, quoi. Voilà, c'est mon âme de gamine qui a parlé. Il y avait énormément de choses Disney, notamment avec Marie, il y avait aussi plein de trucs Harry Potter, enfin voilà. C'était vraiment trop canon. Et celui-ci, il est à 8€ quand même, j'ai envie de dire. Mais voilà, trop beau et il rend super bien, donc voilà. Quand j'y suis retournée, je me suis dit... Je le ramène ou pas? Parce que attends Justine, tu vas pas l'utiliser. Et en fait j'ai dit non, je le garde. En accessoire aussi, je me suis pris une petite paire de collants comme celle-ci. En fait elles sont noires, opaques, avec des petits cœurs. À l'époque il faisait pas beau, maintenant je pourrais plus les mettre. Ça attendra l'année prochaine je pense, à part s'il va pour faire vraiment mauvais. Et je les ai pris en taille L par rapport, voilà, j'ai pris ma taille par rapport au petit descriptif derrière. Et ils sont tous à 3,50€, ça vaut vraiment le coup et j'en ai acheté aussi à ma mère. Petit truc qui vaut le coup aussi, c'est des petits élastiques, ça c'était un lot de 50, donc merci parce que moi je les perds tout le temps, quelqu'un doit me les voler ou je dois les manger, je ne sais pas, qui étaient à 1,50€, ils sont noirs, élastiques sans petit ferraille, vous savez, qui abîme les cheveux. Il y a du plus petit au un peu plus épais, voilà, ça 1,50€, ça sert toujours. On va enfin parler vêtements, pareil j'ai rapporté pas mal de choses parce que ça ne me plaisait pas vraiment, mais j'ai gardé 2-3 trucs et j'ai racheté autre chose. Premièrement cette petite jupe, alors ça a une texture et un bruit horrible, je sais pas si vous entendrez de là-bas mais du coup c'est horrible au niveau du bruit, mais j'ai déjà porté, c'est une petite jupe en espèce de simili cuir un petit peu beige, rose poudré qui est très jolie, elle est un poil courte sur moi parce que je la porte en taille haute, mais bon avec des collants opaques ça faisait largement, je l'ai déjà porté plusieurs fois, elle est très très bien, je l'ai pris en 34 pour que ça me serve bien au niveau de la taille et ça je l'ai payé 8€. Primark c'est très connu aussi pour les basiques, je me suis pris un petit basique comme ceci, du coup tout simple, je l'ai pris en 38 pour qu'il soit un petit peu loose et ça je l'ai payé 6€, donc ça vaut vraiment le coup et j'adore parce qu'il est tout doux, enfin voilà pour mettre avec n'importe quoi, c'est très bien ou même pour dormir, il y a plein de t-shirts, plein de pyjamas.
Ensuite, je me suis pris 4 shorts, 2 pour dormir et 2 pour l'été, entre guillemets. Donc ceux pour dormir, ils ont plein de petits shorts comme ça, comme chez Undies, que j'achetais à l'époque chez Undies. Vous voyez, comme ça pour dormir tout simplement. Là, il est gris avec des petits détails roses, bien évidemment, ça reste toujours moi. Je l'ai pris en 34 et ça c'est 3€. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a même pour les petits bébés qui sont trop trop mignons, donc ça vaut trop le coup. Et j'en ai pris un comme ça aussi que je pensais que j'aurais pu mettre... pour sortir en vacances, vraiment à la plage, etc. Mais il est très très court, donc je le mettrai plus pour dormir. C'est un petit short comme ceci qui est très agréable avec des petits pompons. De la couleur kaki, j'adorais. Et du coup, celui-ci était à 5€. Un autre short que je pourrais mettre pendant mes vacances, c'est celui-ci rayé rose et blanc. Je le trouve très joli, par contre, il est super transparent, je n'avais pas vu. Et celui-ci, je l'ai payé 13€. Et petit basique que moi je n'avais pas personnellement, c'est un short un petit peu destroy, donc taille un petit peu haute, en jean tout simplement. Par contre celui-ci est à 15€. Des fois tu payes des robes 10€ et tu payes un short en jean 15€. Des fois c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, très très joli, taille bien, il est un petit peu loose. Donc ça pour mes vacances ça sera très très bien. Et pour terminer au niveau vêtements, j'ai pris cette petite robe, donc vous la voyez, elle est un petit peu resserrée au niveau du dessous de la poitrine. La couleur, pareil, j'adorais, elle est très 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 longue et il y a des boutons tout du long, je vous montrerai de toute façon de portée. Et elle était vraiment vraiment très très jolie et celle-ci je l'ai payée 16€. Après au niveau des tailles, c'est vraiment trop bizarre parce que le short rayé tout à l'heure que je vous ai montré, je l'ai pris en 38. Et ça je l'ai pris en 36, le 34 c'était beaucoup trop petit alors que tous les autres hauts je dois les prendre en 34. Enfin vraiment essayer parce que les tailles sont très 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 étranges. Mais voilà, super joli et le tissu est très agréable, ça pareil pour mes vacances ça va être top. Au niveau beauté aussi, petit craquage entre guillemets, j'ai pas racheté de maquillage parce que j'en avais fait une vidéo crash test. C'est pour ça que j'avais acheté pas mal de maquillage. Parce que voilà, je voulais tester, c'est bien pour le prix mais c'est pas foufou. J'ai pas racheté de pinceaux parce qu'il y avait que ceux que j'avais déjà. Voilà, même si les pinceaux sont top et je vous les recommande à 3000%. Mais j'ai surtout pris des faux ongles parce que tout le monde m'en parle. Et les fossiles parce que la dernière fois j'en avais acheté à Lille et je les adore. Donc les fossiles, j'ai repris 3 paires de mes favoris. Il n'y en avait pas d'autres qui me plaisaient, en plus à 1,50€ ça vaut trop trop le coup. C'est du coup ceux-ci, ils sont trop bien, je les aime énormément, même la colle à l'intérieur est très bien. Si vous voulez vous entraîner ou même en mettre tous les jours, ça suffit largement. Et ils sont super costauds, donc ça je les recommande. Et j'ai craqué au niveau faux ongles, comme je vous l'ai dit, parce qu'à chaque fois on me disait, mais Justine, les faux ongles ils sont trop beaux, à chaque fois que je vois sur Instagram, etc. Je trouve ça trop canon. Donc j'en ai pris 4 paires, je me suis dit, là vas-y, j'y vais. Et il y a 3 prix différents, 1,50€, 2,50€ et 4,50€. Voilà, on ne sait pas pourquoi. En fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai vu ceux-là, j'ai totalement craqué. Ils sont rose poudrés avec des glitters, des strass, etc. C'était fait pour moi. Et du coup, c'était la gamme premium, entre guillemets, donc c'était à 4,50€. Et quand j'ai dit à mes copines, mais j'ai acheté 4,50€, elles me font, ah bon, mais d'habitude c'est 1,50€, 2,50€. Et là, du coup, je pense que c'était les un petit peu plus luxe, entre guillemets, donc 4,50€, ça vaut le coup. Et après j'en ai pris 2 paires à 2,50€, donc rose toujours avec des glitters. Je les trouve très très beaux et j'aime beaucoup les formes, donc voilà, à tester. Et le dernier c'était vraiment à 1,50€, donc ça vaut trop trop le coup. Et ceux-là sont assez courts et ils sont en effet marbre, j'aime beaucoup. Parce que j'arrive pas avec le vernis à faire l'effet marbre sur mes ongles. Donc voilà, je mettrai des faux ongles pour tester. Voilà, pourquoi pas tester, en tout cas ceux les plus chers là, ils sont trop trop beaux. Au pire si ça me plaît pas, je prendrai les petits strass qu'il y a dessus et je les collerai avec mon gel parce qu'ils sont vraiment trop trop canons. Donc à tester, si vous avez déjà testé, dites-le moi en commentaire. Et pour terminer, j'ai acheté ce petit kit parce que c'est une copie conforme du maquillage de Kim Kardashian. Et je me suis dit c'est trop drôle, ils peuvent pas, ils ont tellement copié la couleur, la forme, le pinceau. Tout est copié-collé, c'est un truc de malade. Alors je n'ai pas vu de couleur, donc je pense que c'est une couleur un peu unique. Alors attention, ça va envoyer du lourd je pense, ça coûtait quand même 8€ pour primaire, c'est pas donné. Et du coup c'est highlighter et contour kit. Donc je testerai en vidéo, je voulais vous en faire vraiment une vidéo parce que ça m'avait fait trop trop rire. J'étais avec Béré et je lui ai dit mais faut trop que je prenne ça. C'est une connerie mais faut trop que je prenne ça, donc voilà, ça je vous en ferai une petite vidéo. Et enfin pour terminer je me suis pris 3 sacs, rien que ça, les sacs ça vaut vraiment le coup. Après par exemple la première fois que je suis allée j'ai craqué pour un sac que finalement je n'aime pas trop trop, que je porterai pas, je sais je suis horrible. En plus j'avais arraché l'étiquette bien évidemment. Bref, franchement il y a plein plein de choix, il y a des qualis, il y a des un peu moins qualis, voilà, faut vraiment toucher et voir un petit peu ce que ça donne. Mais au niveau des prix ça vaut trop trop le coup. Donc celui que j'ai eu un gros coup de cœur quand je suis allée et finalement j'aime beaucoup moins, c'est celui-là. Finalement je ne l'aime pas tant que ça, en plus j'aime pas trop la lanière qui là elle est au maximum,
Par contre, j'ai eu deux autres coups de cœur la dernière fois que j'y suis allée. Peut-être que je ne les porterai jamais, qui sait. Premièrement, avec celui-ci, que je trouvais trop mignon et juste pour mettre pour aller en soirée. Genre, tu mets juste ton portable. Je sais pas si mon iPhone rentre d'ailleurs. Juste ton portable, juste ta carte d'identité et ton. Oui, parce qu'on me demande toujours ma carte d'identité, moi, quand je m'envoie. Bref, ma carte d'identité et ma carte bleue. Voilà, il est trop trop mignon et j'aime beaucoup beaucoup les couleurs et le motif Python qui fait pas trop fake. J'ai beaucoup aimé, celui-là est à 8€. 8€ un sac, j'ai envie de dire, ça vaut trop le coup. Et j'ai trop craqué sur celui-là, c'est un tout petit sac à dos. Et j'ai la folie du sac à dos en ce moment. Il était à 10€ en plus, donc ça vaut trop le coup. Et le jaune moutarde m'a vraiment appelé avec juste la petite plaque. Il est vraiment super sympa et j'ai beaucoup 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 aimé. Voilà, dans le dos ça va être trop kiki, un tout petit truc comme ça. Voilà mon petit chat pour tous ces achats, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement. Au doc, au Havre, je trouve que c'est un peu dommage au niveau des accessoires. Je voulais m'acheter des grosses boucles d'oreilles, des créoles, etc. Il n'y avait pas énormément de choses. Donc voilà, petite déception parce que j'avais envie d'acheter les boucles d'oreilles. Du coup j'en ai acheté autre part à H&M comme vous pouvez le voir. Bref, peu importe. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite.